Jérusalem recèle de secrets insoupçonnés. Au cours des travaux concernant la ligne ferroviaire censée relier la capitale à Tel Aviv, les ouvriers du chantier ont fait la découverte d'une grotte assurant le transfert de l'eau sous le fameux Palais des Nations, le tout à 75 mètres de profondeur. Cette eau naviguait entre le nord et l'ouest de la capitale. Les ouvriers ont alors choisi de la surnommer la Grotte des Nations.